La grande exposition Picasso et Braque, les pionniers du cubisme, avait lieu au musée d'art moderne de New York, le fameux MoMA, exactement au même endroit qu'avait eu lieu en 1980 la grande rétrospective Picasso, qui avait fait beaucoup parler d'elle à juste titre, et le conservateur était le même personnage, M. William Rubin, qui a organisé également en 1977 la dernière période de Cézanne et également l'exposition Henri Rousseau en 1984. C'est donc dire que l'exposition avait été organisée par quelqu'un qui connaissait son sujet, et c'est sans doute ce que le visiteur voyait immédiatement, n'est-ce pas, cette espèce d'exposition exemplaire par son organisation, par son concept, et c'est ce qui permet d'ailleurs de penser qu'il est pertinent d'en parler encore, bien qu'elle se soit terminée malheureusement le 16 janvier à New York. Elle était exemplaire parce que il y avait une leçon critique à en tirer, autant pour les organisateurs d'expositions, de musées, que pour les visiteurs d'expositions. William Rubin s'est très bien expliqué de ses intentions en montant cette énorme chose dans le magazine Vogue, qui est un magazine de mode, et justement il se démarque bien de l'idée que l'art, n'est-ce pas, n'a rien à voir avec la mode lorsqu'il expose son projet. Et il dit bien que ce qu'il a voulu montrer, c'est tout simplement le cubisme en soi, sans chercher à nous montrer les conséquences qu'il a eues sur l'art d'aujourd'hui, ou sans chercher à nous expliquer pourquoi on peut encore s'intéresser à lui, tout simplement parce que c'est un grand mouvement, dit-il, et c'est cette année sur lesquelles on parcourt les œuvres, de 1907 à 1914 seulement, ont vraiment marqué l'art du monde, finalement, toute cette période, et particulièrement ces deux artistes, Picasso et Braque, dans leur interaction complexe, développant entre eux une espèce de similarité complémentaire, parce qu'en fait, c'était une similarité dans les œuvres, mais qui était fondée sur de grandes différences et presque des contraires au point de vue des tempéraments et des origines des deux artistes. Alors, c'est un mouvement donc qui s'est élaboré lentement pendant sept ans, mais d'une façon tellement intense que l'exposition, naturellement, qui en résultait, n'était pas une exposition facile, ne s'adressait pas à un public qui, comme le disait très bien William Rubin dans Vogue, aurait circulé devant les toiles à 3000 à l'heure. Il disait il ne s'agit pas de faire ce parcours du combattant là, de 3000 à l'heure devant les toiles, car à ce rythme-là, on n'y verra rien. C'était une exposition qui s'adressait à l'intelligence du visiteur, ce qui n'est pas souvent le cas d'ailleurs, il faut bien le regretter, qui requérait la lenteur, qui requérait un certain effort, une réflexion. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus, même de Montréal, deux fois pour la voir, trois et quatre fois de New York. Donc c'était une exposition en somme qui n'était pas conçu pour être un blockbuster, contrairement à tant d'expositions qu'on nous montre aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas qu'elle est peut-être devenue, justement, ce qui plaide bien en faveur de l'intelligence du public. Ce qui faisait de cette exposition une exposition exceptionnelle aussi, c'est qu'elle montrait la quête en acte. Très souvent, une exposition nous montre naturellement les chefs-d'œuvre, c'est-à-dire ce que les artistes ont fait de plus abouti lorsqu'ils se sont mis à chercher, à développer une théorie ou une quête. Cette exposition nous montrait au contraire la recherche, la quête en acte, et non pas son résultat abouti. Et qui plus est, la quête commune de deux artistes, pas seulement d'un, mais de deux, qui, comme je le disais tout à l'heure, étaient pourtant une espèce d'équipe d'association des contraires, et qui auront d'ailleurs, après 1914, hélas pour Braque, des destins, il faut bien le reconnaître, très différents. Alors forcément, c'était une exposition qui avait des temps forts, qui montrait des chefs-d'œuvre, heureusement. C'est pas seulement l'intelligence qui était convoquée, le plaisir, la vision l'était aussi, mais aussi montrait les maladresses, et c'est ça qui était intéressant. Les essais ratés, par exemple, pour rendre la troisième dimension
autrement que par la perspective classique à laquelle on était habitué, ou bien pour rendre les formes qui tournent selon la multiplication des points de vue. Il y avait à ce propos des œuvres, des toiles de baigneuses de Picasso, par exemple, qui étaient carrément ratées. On voyait bien que c'était des œuvres ratées dans cette quête, dans cet effort. Alors, les périodes transitoires étaient extrêmement intéressantes. Et cette interaction des deux artistes contraires, comme je le disais tout à l'heure, on aurait tort de la concevoir d'une manière simpliste comme une influence ou comme une imitation encore plus, n'est-ce pas? Ce serait carrément ridicule. Braque parlait à propos de leur équipée, si je puis dire, de deux alpinistes ficelés l'un à l'autre. Et l'image est extrêmement intéressante pour justement exprimer cette espèce de quête, cette espèce d'ascension vers un but difficile poursuivi. Alors, le parcours, pour en parler plus précisément, commençait avec Les Demoiselles d'Avignon, le fameux grand tableau, n'est-ce pas, de juin 1907. Et c'était très intéressant aussi de faire le rapprochement avec l'exposition de 1980, parce que l'exposition de 1980 nous montrait dans le détail et d'une manière absolument géniale comment Picasso était arrivé à cette espèce de grande toile synthèse et manifeste. Cette exposition-ci faisait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'elle partait des Demoiselles d'Avignon de 1907 et nous montrait la suite, nous montrait la production subséquente. Et c'était une séquence de l'exposition absolument fascinante qui résultait en grande partie, il faut bien le souligner, de la glasnost, parce que quantité d'œuvres venaient de l'Ermitage de Leningrad et du musée Pouchkine de Moscou qu'on n'avait jamais, jamais vu avant. Alors on a eu le plaisir de retrouver, en tous les cas, les gens qui avaient vu l'exposition de Québec il y a quelques années, n'est-ce pas, les fameuses collections russes, là. On a eu le plaisir de retrouver ce chef-d'œuvre qui est la femme assise à l'éventail du printemps 1908, ou les fameuses trois femmes de l'automne 1907 jusqu'à la fin 1908, qui appartenaient aux collections, à la fameuse collection Chouchine, et qu'on avait donc vu à Québec, et qui était vraiment à des points forts de cette période. Et d'ailleurs, des tableaux qui sont postérieurs d'une année, Demoiselles d'Avignon, et qui sont beaucoup plus abouties que les Demoiselles d'Avignon. Car il faut bien reconnaître que les Demoiselles d'Avignon, quand on se les juge d'un simple point de vue pictural et non pas historique, présentent bien des maladresses, et c'est les amis de Picasso ne cessaient de le lui répéter. Il y avait consécutivement à cette période principalement marquée par les figures de Picasso, les grandes figures de Picasso, on voyait se dessiner une chose absolument fascinante, une espèce de période verte. On parle toujours de la période bleue, de la période rose. Moi, j'ai vu se dessiner une période verte et brune, si on veut, parce qu'elle est quand même majoritairement fixée sur les paysages, donc les arbres, la verdure, et c'est une période qu'on découvre, en somme, qui est à l'origine du cubisme, qui marque une espèce de confluence entre l'influence de Cézanne, qu'on voit très bien, particulièrement dans les paysages de Braque, alors, où les fameuses petites maisons provençales dans le paysage sont peintes comme des cubes, d'où la fameuse expression que quelqu'un avait collé sur cette peinture, le cubisme. Et on voit que la production de Picasso de cette époque-là est tout à fait similaire. Donc il y a une similarité très grande dans les paysages de Braque et ceux de Picasso. Par contre, alors les figures, Picasso est presque le seul à en faire, et ils font tous les deux aussi des natures mortes qui sont très différentes. Celles de Braque sont très pâles, très lumineuses, très transparentes. Elles font un peu penser à ce que seront celles de Morandi un peu plus tard. Et celles de Picasso, alors justement, mettent l'accent sur le vert, des feuillages, des fruits. Il y a une espèce de nature morte au chapeau, et on sait que c'est le chapeau de Cézanne. C'est une espèce d'hommage, justement, et de reconnaissance au maître qui est à l'origine de cette période-là. Il y a une superbe toile assez grande qui s'appelle « Pain et coupe de fruits sur une table », qui est aussi un hommage à Cézanne et qui est absolument superbe. Donc cette espèce de période verte que je découpe là dans l'histoire finalement était une espèce de découverte totale marquée par beaucoup de chefs-d'œuvre et où on avait un plaisir rare à s'arrêter devant l'étoile.
Alors, au printemps 1910 commence véritablement une période qu'on connaît davantage pour l'avoir vue plus souvent, qui est celle du cubisme analytique, où les efforts des peintres, finalement, consistent à aplatir les volumes, les fameux cubes qu'on avait vus dans la période précédente. Et là, c'est vraiment une recherche extrêmement difficile, avec beaucoup d'essais, beaucoup de ratages, beaucoup de difficultés, jusqu'à en arriver à une espèce de structuration linéaire. Alors, qui est caractéristique, n'est-ce pas, du cubisme analytique, où on voit moins les volumes, mais une espèce de structuration linéaire qui fait quelquefois un peu penser à Mondrian. Alors, avant d'arriver aux chefs-d'œuvre que sont les portraits d'Ambroise Vollard ou de Kahnweiler de la fin 1910, ou encore aux natures mortes de Braque, il y a toute cette quête, n'est-ce pas, qui apprivoise les formats ovales, le collage de journaux, les lettres marquées au pochoir, l'utilisation d'éléments hétérogènes comme des bouts de cordes, etc. Et aussi beaucoup de références à la musique, soit qu'on inscrive des titres de chansons, le fameux Majoli de Picasso, soit qu'on inscrive le mot valse, soit qu'on découpe des fragments de partitions. Il y a des œuvres de cette période-là qui sont superbes, jusqu'à ce que Picasso véritablement construise sa fameuse maquette de guitare en carton, cette fois tridimensionnelle. Alors, l'année 1912 marque un point tournant dans leur collaboration parce qu'elle devient carrément intense et il est même difficile de distinguer à cette période-là leurs œuvres respectives. D'ailleurs, il faut remarquer qu'ils resteront pendant plusieurs années sans même signer leurs œuvres. Ce qui fait qu'on ne sait pas finalement de qui est telle ou telle œuvre. Et comme elles sont très souvent répétitives, enfin, il y a quand même dans cette période-là, il faut bien le reconnaître, une grande répétition des essais, des recherches, l'intérêt peut-être du visiteur dans cette partie de l'exposition fléchissait un petit peu parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'essais. Mais ce qui est intéressant dans cette équipe de travail, c'est que justement, elle insistait sur le côté artisanal de l'art, par exemple par les outils et les matériaux employés, et aussi jusque dans l'uniforme dont les deux artistes se revêtaient pour travailler, que ce soit le bleu d'ouvrier de l'un ou l'espèce de combinaison de mécanisme de l'autre. Alors ça allait dans le sens, n'est-ce pas, d'une espèce de démythification de l'artiste qu'on faisait tomber de son piédestal et qu'on ramenait un peu au rang de l'artisan et de l'ouvrier. Cette période, donc, depuis 1910 jusqu'à 1914, était très, très abondante en pièces. On en retenait surtout les fameuses constructions d'objets tridimensionnels, les petits bricolages, là, qui ne sont pas sans rappeler ce que les jeunes artistes font dans une espèce de tendance un peu postmoderne. Naturellement, la guerre de 14 met fin tragiquement à cette équipe extraordinaire, puisque Picasso, lui, en tant qu'Espagnol, n'est pas obligé de s'en aller dans les tranchées sur le front, tandis que Braque y va. Et c'est là que leurs deux destins vont devenir complètement différents. Et l'injustice, en quelque sorte, du sort qui va frapper Braque va être très grande, parce qu'on voyait bien pendant tout le cours de cette exposition, et c'est le grand mérite de William Rubin de l'avoir démontré d'une manière très précise, que c'était Braque qui était l'inventeur, finalement. C'est lui qui a inventé, c'est lui qui a conçu, c'est lui qui a utilisé le premier, les formats ovales, les papiers collés, fait des objets tridimensionnels, etc. Et naturellement, c'est Picasso qui en a profité le plus, parce qu'il avait cette espèce de facilité extraordinaire, produisant trois fois ce que Braque difficilement produisait une fois. Le nombre des œuvres de Picasso est beaucoup plus grand, finalement, que celui des œuvres de Braque. Il assimilait, il avait une facilité à dessiner que Braque n'avait pas. Et naturellement, avec les éléments que Braque apportait, il était capable de faire une œuvre trois fois plus grande et trois fois plus puissante. Alors naturellement, pendant 4 ans de guerre, il est le seul à produire. Une fois que le cubisme est établi, il va au bout de la lancée pendant que Braque, lui, est blessé dans les tranchées, meurtri physiquement et moralement. Et lorsqu'il reviendra de la guerre après 4 ans, n'est-ce pas, ce ne sera plus naturellement le même être, le même homme. Et Picasso, qui ne manquait pas de cruauté, on le sait de plus en plus,
Fabius dira qu'après la guerre, finalement, il n'a jamais plus rencontré Braque, ce qui n'était pas vrai véritablement, puisqu'on sait qu'ils se sont rencontrés dans leurs ateliers respectifs plusieurs fois. Mais c'était une façon de dire que l'artiste n'existait plus, n'est-ce pas? Que cet homme avec lequel il avait fait cette équipe extraordinaire était mort d'une certaine manière, se survivait à lui-même. Alors c'était une exposition absolument fascinante qui s'adressait vraiment à des gens capables de faire l'effort de comprendre, d'essayer de comprendre. Et William Rubin l'a dit très clairement, n'est-ce pas? Ça n'était pas une exposition qui flattait le simple plaisir du regard. Et je pense qu'en ce sens-là, il y avait énormément de leçons à en tirer. Et les artistes qui l'ont visité beaucoup, de très nombreuses fois successives, en ont retiré certainement beaucoup.